Salut tout le monde, salut salut, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors n'oubliez pas, demain, attention, on est le 22. Le 22, c'est le jour de la mobilisation, donc j'ai fait cette vidéo pour vous dire que demain, sur Avignon et dans toute la France d'ailleurs, toutes les autoroutes seront bloquées. Donc prenez vos dispositions, ne prenez pas l'autoroute, d'accord? Les autoroutes seront bloquées dans toute la France, donc ça sera les gilets jaunes, mais pas que. Il y aura aussi les citoyens et tous les gens, plus ou moins, qui veulent un peu du changement. Donc on appelle tout le monde à venir, à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, donc demain. Avignon, ça commencera à 6h du matin, donc rendez-vous à 6h du matin. Autoroute Avignon Sud, Avignon Nord, évidemment, il y aura aussi blocage à Orange, Cavaillon. Toutes les autoroutes du Vaucluse seront évidemment bloquées, mais pas que, c'est évidemment dans toute la France. Donc cette action, elle vient en fait pour dire on arrête les manifestations. Parce que les manifestations, à part se faire gazer, se faire défoncer, bon, ils ne veulent rien comprendre. Mais pour ceux qui ont encore un peu de cerveau et qui pensent qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, de toute façon, si à chaque fois que c'est difficile, on arrête, on ne fait plus rien. Je veux dire que ce soit dans le quartier ou en dehors du quartier, les problèmes, il y en a tout le temps. Et souvent, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde pour les porter. Donc, il ne faut pas se décourager sur le nombre, il ne faut pas se décourager aussi devant la difficulté. Fatigué, épuisé, sûr. Beaucoup de choses, de rancœur, de rancune, de tout ce que vous voulez, sûr, mais il faut garder quand même l'esprit de dire il faut continuer à être combatif, il faut continuer à être comme des lions, même si on est blessé, on ne lâche pas l'affaire. Donc moi je serai à Avignon Sud demain, donc je serai à partir de 6h du matin, et évidemment j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir. En tout cas, voilà, il n'y aura pas d'autoroute demain, sachez-le. Et on espère qu'on va être assez nombreux pour continuer à faire flipper ce gouvernement, même s'il donne l'impression d'être intouchable et d'être trop fort. Donc voilà, c'était un petit peu le rappel pour vous dire, j'espère que les Arabes seront parmi nous, évidemment, parce que je compte toujours je désespère pas en fait qu'on comprenne que cette lutte, elle englobe beaucoup de luttes. Voilà. Le monde meilleur, l'honneur des travailleurs, ça veut dire tout ça. Ça veut dire les meilleures retraites, les meilleures payes. Ça veut dire que les riches, ils lâchent un peu de ces fortunes qu'ils ont. Ça veut dire que les pauvres, ils vivent mieux, etc., etc. Donc voilà, moi, je désespère pas que tout le monde comprenne ça. Hein, et qu'on ne s'arrête pas sur les polémiques et les blabla, hein, un petit peu du mouvement ou des médias. D'accord ? Donc rendez-vous à demain, tout est prêt pour l'action. Alors évidemment, moi je suis rien du tout, les organisateurs, ceux qui ont mis en place un petit peu tout ce mouvement, eh bien, ce qu'ils veulent, eux, c'est voilà, des gens qui soient unis et qui soient solidaires dans la lutte. Donc voilà, donc tous ceux qui ne m'aiment pas, soyez en paix, ce n'est pas moi qui l'organise. Hein. Mais je prendrai ma part, comme toujours. Et à chacun de faire la sienne. Donc partagez un peu partout et j'espère que vous allez vous motiver. Là aujourd'hui il y a un mariage d'un ami, je vais y aller, mais ça ne m'empêchera pas d'être sur le qui-vive demain, d'être prêt au combat. Donc j'espère que vous serez pareil. Salam à tous!